La Tour Eiffel, la Tour Eiffel, dans l'Orient, Tom. C'était le jingle. Wow, quelle joie de recevoir à nouveau Jonathan Lambert. La dernière fois, vous m'avez marqué en parlant de votre femme et de vos enfants, moi qui vous croyais gay. Parce que vous collectionnez des perruques et vous avez ce côté précieux et délicat. Je me rappelle encore de ma profonde déception lorsque j'ai entendu pour la première fois les rumeurs sur l'homosexualité de George Clooney, Georgia pour les intimes. Un monde s'est effondré sous mes yeux, mais sur qui baserais-je mon imagination durant les moments de plaisir solitaire? Quelque part, c'est absurde. Ce n'est pas parce qu'il était hétéro que j'aurais eu une quelconque chance de l'avoir. C'est comme le présentateur sur BFM TV qui a dit la semaine dernière « Monica Bellucci est divorcée. Une bonne nouvelle pour vous, monsieur. » Ah bon? Vous pensez que le seul obstacle entre Monica et vous était son ex-mari Vincent Cassel et non pas le fait que vous gagnez uniquement 1 500 € par mois? Certes, mon mari me dit souvent « L'important n'est pas la concrétisation mais la possibilité éventuelle qui anime les hommes. » Ah, c'est peut-être pour ça qu'il adore rôder innocemment aux alentours des lycées de jeunes filles. Ainsi, parmi nos besoins vitaux comme manger, respirer, je rajouterai rêver. Ce qui justifie pleinement la création des centres commerciaux où il y a du McDo, de la climatisation et la mode. Jonathan, vous glissez dans la peau des personnages féminins avec une telle aisance. Sur scène, on croit que vous êtes une vraie femelle. Il existe des personnages comme ça, androgynes, dans la vraie vie, n'est-ce pas? Comme Amélie Mauresmo, Hello Kitty aussi. La nature humaine aime aller savoir ce qui se passe sous le slip des autres. Notre curiosité mal placée blesse parfois. Par exemple, ma super copine Liliane, Madame L'Oréal, n'a-t-elle pas été victime d'acharnement médiatique? Enfin, sa fille ingrate, Françoise, est soupçonnée de corruption de témoins. Que Liliane se libère vite de sa mise sous tutelle et on fêtera ensemble cette victoire autour de quelques macarons Pierre Hermé. Contrairement à Liliane, j'ai une autre copine accusée de détournement de fonds publics, mais qui bénéficie d'une bienveillance médiatique extraordinaire. Je veux parler de Valérie, la première copine de France. Elle se sert de bureau et de personnel payé par le peuple, alors que son pote François s'était dit célibataire dans sa déclaration de patrimoine. Certes, les temps ont changé. De la première dame de France à la première copine de France, devons-nous nous préparer à la première maîtresse de France ou au premier plan cul de France? Dans tous les cas, de François à DSK, je ne sous-estimerai jamais les politiciens pour les petits coups en douce. Salut, Charles!